Bonjour, bonsoir, JP, pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Dixième jour du RPG Day 2021 avec le mot confiance. Je voudrais vous parler aujourd'hui du jeu de rôle Cold City, un jeu de rôle qui a pour cadre le Berlin en ruine de l'après-Seconde Guerre mondiale, où les joueurs joueuses vont incarner des des agents euh, au service des différents gouvernements, différentes nations euh, victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale, à savoir la France, euh, les Royaume, le Royaume-Uni, euh, les États-Unis, euh, l'Union soviétique, mais pas que, on a aussi des, des agents euh, qui travaillent pour euh, l'Allemagne d'après-guerre, et qui vont évoluer dans euh, le Berlin en ruine euh, de, du juste après-guerre. Je pense que le jeu place l'action euh, euh, entre 1945 et 1950, euh, des agents en fait qui vont devoir œuvrer euh, chacun pour leur, euh, pour leur gouvernement respectif, mais également ensemble pour l'agence en question, à, à découvrir et démanteler euh, des, des expérimentations euh, ou des, des artefacts technologiques, que les, que les nazis auraient pu euh, cacher dans les ruines euh, de Berlin. Donc on est sur un jeu à la fois euh, d'espionnage, mais aussi euh, de contemporain fantastique, euh, puisque les, les personnages peuvent être euh, confrontés à des, à des créatures étranges, des morts-vivants, euh, des, des artefacts technologiques euh, qui vont de, de, de sciences euh, occultes. Euh, ou, de, ou de recherches, euh, notamment euh, des recherches sur l'atome menées par les nazis euh, à la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, on est vraiment sur un, un, un jeu de rôle euh, d'espionnage dans euh, le Berlin en ruine. Et là où le mot confiance vient, euh, vient se mettre, c'est que un des scores des différents des personnages est un score de confiance les uns vis-à-vis -vis des autres. Chaque personnage œuvre pour, une, pour sa propre nation, à son propre agenda, mais aussi euh, pour le, le collectif, puisqu'il travaille pour une agence, euh, une agence euh, euh, qui, qui est formée par les différents alliés. Et donc, euh, chaque personnage va avoir un score de confiance euh, qui va lui permettre d'interagir, enfin, qui va jouer un rôle dans les interactions qu'il aura avec euh, les autres personnages. Donc euh, on, on joue sur, euh, sur différents agendas possibles. Et euh, ben, les personnages vont essayer d'atteindre de, de, leur, euh, leurs agendas respectifs en faisant ou pas confiance aux autres agents suivant les nations qu'ils servent et les, les agendas qui sont, euh, qui sont euh, établis en début de partie. Voilà, donc un, un jeu d'espionnage où la, la confiance ou... La, la méfiance entre les, les personnages peut peut jouer un rôle, un rôle important. Donc Cold City, euh, voilà, je vous mettrai les liens en, en description de la vidéo si le jeu vous intéresse. Alors personnellement, je n'ai pas joué à Cold City directement, mais j'ai exploité le, le, comment, le, le cadre de jeu, donc le Berlin euh, d'après-guerre, pour euh, un, un petit supplément euh, pour l'appel de Cthulhu que j'ai écrit, qui s'appelle euh, Cthulhu in Berlin. Où euh, les les personnages vont jouer euh, effectivement des agents euh, des différents des différentes nations euh, euh, comment différentes nations qui sont qui sont présentes à Berlin en 1945 et vont avoir l'occasion de euh, découvrir des choses étranges et cachées dans les ruines et de contrecarrer euh, des plans machiavéliques ou euh, de mettre la main sur des sur des, des trouvailles technologiques ou occultes laissées par les nazis. Voilà, euh, je vous mettrai également le lien de cette, euh, de cette euh, on va dire, mini-campagne. J'avais écrit deux scénarios, je pense, et euh, une grosse aide de jeu où je, où je recadrais un peu et je, je remettais à plat euh, tout le cadre de jeu et je faisais les conversions pour, euh, pour l'appel de Cthulhu. Euh, le, jeu a, et, donc, le jeu est disponible sur mon site. Euh, donc, le, cadre de, le, le, le setting de jeu, euh, les scénarios et euh, des personnages pré-tirés. Mais en fait, ça utilise les, les règles de base de l'appel de Cthulhu. Voilà. Donc, euh, ce sera tout pour aujourd'hui, pour le mot confiance, pour un jeu d'espionnage euh, dans le Berlin d'après-guerre. Je vous remercie pour l'écoute et euh, je vous souhaite une, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.